Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment tu te sens ce matin? Bien. Bien? Y en a-tu des amis là, qui se sentent moins bien, qui ont moins bien dormi un peu? Oui. Non? Oui. Qui a moins bien dormi? Anthony, t'as rêvé? Non. Non? Ça va? Est-ce que tu penses que t'es bon pour faire la journée? Oh, je pense que oui, ça paraît dans tes yeux. Ils sont brillants, brillants. On commence par regarder qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Si on regarde sur notre grand tableau, on est rendu à quel jour? Jour 1. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui si on regarde notre horaire? La danse. Vicky, pour une actuellement, dans les classes, il y a de plus en plus d'élèves différents. Que ce soit des élèves qui ont des styles d'apprentissage différents, des rythmes d'apprentissage, ou encore des élèves qui ont des vécus très, très différents. Et tous les enseignants et les enseignantes comme toi se posent des questions. Comment pourrais-je arriver à gérer ces différences? Car il faut dire que la plupart ont été habilités à gérer des ressemblances. Tout le monde fait la même chose en même temps. Donc, pour en arriver à gérer les différences, il faut regarder sa pratique et essayer de voir comment je pourrais de plus en plus impliquer l'élève parce que la journée ne sera pas nécessairement plus longue en termes d'heures, mais il faut que je rentabilise le temps au maximum. Et développer une gestion participative peut être une solution très intéressante. Pour illustrer cette gestion des différences, nous avons choisi 6 enseignantes qui ont expérimenté elles-mêmes différents outils organisationnels à partir du concept théorique que j'avais développé, mais surtout qui ont su mettre leur cachet, leur couleur personnelle. Pour gérer les différences, il y a d'abord un premier élément qu'il faut considérer sérieusement, c'est-à-dire la gestion du temps. Existe-t-il d'autres façons de faire que de travailler toujours avec le collectif, le grand groupe? Bien sûr que oui, il existe d'autres moyens et il faut les prendre peut-être par ordre de facilité. Exemple, il existe le menu de la journée, le plan de travail, le tableau de programmation, le tableau d'atelier, le tableau d'enrichissement. Et même par rapport à tous ces outils-là, il y a même le tableau d'inscription, le tableau de contrôle, qui permet à l'enseignante de se sécuriser, même si tous les élèves ne font pas la même chose en même temps. Alors, dans un premier temps, on va regarder un peu le menu de la journée. On commence par la causerie. Ce matin, j'aimerais que tu me parles bien sûr de ta fin de semaine, mais aussi de notre visite au Salon du Livre. Après, nous allons remplir ce que j'ai appris la semaine dernière, de façon à faire un lien avec la semaine précédente. Nous allons remplir la co-évaluation dans l'agenda de notre comportement, se trouver une force et un défi à partir de cette feuille. À 9h20, notre directeur veut rencontrer. Quand je commence à faire ma préparation de cours, je me demande qu'est-ce que je veux pour mes élèves. Et puis, dans un premier temps, ce que je veux, c'est quand les enfants s'en viennent en classe, qu'ils soient contents de s'en venir. Soit pour apprendre des nouvelles choses ou même juste pour venir retrouver leurs amis, mais qu'ils soient heureux de s'en venir dans ma classe. Alors, à partir de ce principe-là, découle plein de choses, bien sûr, dans la classe. Je veux aussi, pour mes élèves qui viennent chercher des connaissances, mais qui viennent surtout développer des habiletés. Par exemple, qui comprennent que dans des situations de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on peut avoir différentes possibilités pour arriver à une même solution. La première chose qu'on a fait ce matin, c'est notre calendrier. On l'a déjà fait, on le fait habituellement en arrivant. Ce qu'on va faire après ça, ça va être mes mots. Alors, dans mes mots, on va travailler sur notre tipentin avec les parties du corps. Habituellement, on commence toujours par notre plan de travail. Je présente le plan de travail aux enfants pour qu'ils aient une idée un petit peu de qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée. Les enfants peuvent aller s'inscrire aux activités seulement
lorsque, dans leur plan de travail, les périodes obligatoires sont terminées. C'est-à-dire que si j'avais un travail en français, j'ai dit le matin, dans ton plan de travail, ça, c'est pas négociable, il faut que ça soit fait. Alors, quand c'est pas négociable, il peut pas aller s'inscrire aux activités, même si on a envie, c'est évident. Quand il va s'inscrire aux activités, c'est que vraiment tout ce qui était non négociable est terminé. Pour aller s'inscrire aux activités, il s'en va dans son tableau de fiches. Pour les petits, c'est beaucoup mieux un système de fiches qu'un système où il y a tout simplement une liste d'élèves avec des quadriers. Ça devient compliqué à la longue, parce qu'à un moment donné, il y a trop de X, c'est un petit peu trop, l'enfant, il se retrouve très mal là-dedans. Le système de fiches, c'est sa fiche à lui. Et puis, ça me permet aussi de voir, à un moment donné, quand je me promène, je prends la fiche, mettons, de, je sais pas, Alexandre. Alors, je vois qu'Alexandre a 5-6 fois l'activité 1. Je dis, bon, ben Alexandre, il faudrait peut-être qu'on aille voir un autre centre d'intérêt. Ça me permet de voir quelle activité qu'il a fait. Je suis sûre, c'est celui-là d'Alexandre, parce que c'est sa fiche à lui. Alors, ça permet un contrôle beaucoup plus simple que commencer à garder partout ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas fait. Je dis que pour les petits, un système de fiches, c'est très bien. Bon, ça, c'est des responsabilités. Puis là, Gilberte, elle tourne à la roulette. Puis là, quand notre nom y arrive, ben là, ben ça veut dire que c'est notre responsabilité pour la semaine. Puis moi, ma responsabilité, c'est les poubelles. Ben moi, le soir, je m'en vais les vider, puis le matin, je les apporte dans la classe. Tu vas être prêt à t'installer au travail? Oui. Si tu as besoin de ton petit cahier, tu inscriras la date dedans. Tu feras un prêt, tu inscriras la date. En attendant, tu vas aller chercher ton tableau de programmation dans ton casier blanc. Je n'ai pas fini. Tu vas t'installer, tu vas te choisir une activité sur ton TP et tu vas te mettre au travail. Ça va? Oui. Le tableau de programmation, c'est la liste des activités, un peu comme le plan de travail que les enfants possèdent, qui est affiché aussi dans la classe. Ils doivent choisir leurs activités selon leur goût. Et là, on développe beaucoup chez les enfants le goût personnel. Ne pas nécessairement aller choisir parce que son copain a envie de faire ses mathématiques, si lui, ce matin-là, a envie d'écrire une lettre, par exemple. Alors, il choisit dans les activités proposées et il y va à son rythme aussi. C'est ce qui me permet de faire un enseignement plus individualisé. Pour les enfants qui vont avoir un petit peu plus de difficultés dans une matière quelconque, ils pourront prendre le temps dont ils ont besoin. Pour les enfants plus rapides, ils pourront aussi aller à leur rythme et après aller vers les activités d'enrichissement. Les étoiles. Oui! Anthony, j'aimerais ça que tu rappelles aux amis comment on fait pour choisir nos activités sur notre tableau de programmation. Ben. Avant, il faudrait que tu prennes ta feuille de main, puis choisir une activité rouge, une activité obligatoire, puis il faut que tu la termines, puis après ça, tu vas choisir une activité cadeau. Les activités rouges, finalement, ce sont les activités obligatoires. Pour leur permettre de se repérer, on leur dit, quand tu arrives à une lumière de circulation, si elle est rouge, qu'est-ce que tu dois faire? Les enfants savent qu'on doit s'arrêter à une lumière rouge. Alors, les activités rouges sont obligatoires. Ils doivent tous les faire, que ce soit avec aide ou sans aide, là. Et les activités vertes ou les activités cadeaux, cette année, on les a appelées les activités cadeaux, parce que les enfants ont dit à un moment donné, c'est comme si tu nous faisais un cadeau quand on a bien travaillé. Alors, on a décidé de les appeler les activités cadeaux. Mais c'est une terminologie qui peut changer à chaque année avec ton groupe, sauf que l'idée de base est la même. Bonjour les amis, ça va bien? Oui, comment vous sentez un petit peu ce matin, là? Nerveux? Au pire, intrigué un peu? Oui, on va regarder notre menu pour aujourd'hui, OK? Alors, au menu, ce matin, on a d'abord la planification des activités de notre thème. Ensuite, on va faire un petit peu de relaxation pour se reposer entre les deux. Puis après, on va voter sur les activités qu'on va garder. Alors, on va commencer par notre première activité, qui est la planification des activités du thème. Alors, vous vous souvenez, hier, on a choisi notre thème. C'était quoi? Noël. Oui, on a choisi de travailler sur le thème de Noël, même s'il reste encore 5 ou 6 semaines.
Le mois dernier, le thème de l'Halloween, on avait plusieurs activités. Et on a eu de la difficulté à rentrer tout ça sur notre plan de travail, puis sur l'horaire qu'on s'était fixé. Alors, on a décidé de prendre les 6 semaines. C'est ça? Ouais. Oui. En classe, j'utilise un plan de travail. Pourquoi j'utilise un plan de travail? C'est plus le guide. C'est un guide. C'est un aide-mémoire pour l'enfant. Après avoir planifié toutes les activités pour un projet, j'établis ensuite un horaire, c'est-à-dire des dates de réalisation et des dates d'échéance sur le plan de travail. J'indique aussi si telle ou telle activité se fait seule, à deux ou en équipe, de telle sorte que quand l'enfant reçoit son plan de travail, il se retrouve facilement, il sait combien de temps il a pour réaliser cette activité, quand il doit la remettre, l'échéance. Un deuxième élément qu'il faut envisager dans la gestion des différences, c'est la gestion des rythmes d'apprentissage différents et la gestion des styles d'apprentissage différents. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas toujours facile, car pour gérer des rythmes différents, il faut accepter de mettre en place des outils organisationnels et surtout, il faut accepter de changer sa façon de faire, c'est-à-dire que je ne peux pas gérer des différences de rythme simplement avec l'approche collective et l'utilisation de manuels et de cahiers d'exercices. Voilà pourquoi, graduellement, je devrais introduire dans la classe l'autocorrection, l'atelier de consolidation, le tableau d'enrichissement, le centre d'apprentissage. Quant au style d'apprentissage différent, c'est un domaine qui n'est pas moins facile. Car, dans la classe, certains élèves apprennent en regardant, d'autres apprennent en écoutant, et d'autres apprennent également en faisant. Et il faut dire que notre approche est beaucoup centrée sur les auditifs. Alors, le domaine qui est à développer et sur lequel nous avons à innover est celui des visuels et des kinesthésiques. Ce qui veut dire que dans la classe, on aurait peut-être intérêt à introduire un coin d'exploration, de manipulation, des démarches visuelles, des banques de stratégies visuelles également, mais toujours élaborées conjointement avec les élèves. Lorsqu'on a terminé une activité qui est obligatoire, bon, l'enfant le plus rapide, il y a des activités qui sont disponibles pour lui, là, où il peut respecter son rythme, où il peut vraiment être autonome dans tout ça. Pendant qu'il fait ça, moi, je me permets à ce moment-là de travailler avec les enfants qui ont besoin d'aide un peu plus. L'enfant qui va dans le coin d'activité, s'il va là, puis il me demande constamment, bien, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt à y aller. Il faut vraiment que dans le coin d'activité, il me laisse un peu à moi-même. Là. Puis là aussi, il y a une inscription. Ils ne peuvent pas aller n'importe où. Ils s'inscrivent, puis ils vont chercher leur matériel, ils rangent leur matériel. C'est un petit peu ça. Donc, un enrichissement. Introduire l'autocorrection est une façon excellente pour l'enseignante de se libérer afin de pouvoir travailler avec des élèves en difficulté. Et par le fait même, l'élève est amené à prendre conscience lui-même de ses propres erreurs. Et petit à petit, il développera son autonomie par rapport aux réponses, car on a mis extrêmement de mystère autour des bonnes réponses et décorriger.
Alors, le mini-prof, lui, il est à côté de moi, alors je peux surveiller d'un œil. Il se corrige automatiquement, lui, avec soit mon livre de réponse ou encore avec le livre d'un enfant qui a tout fini. Et puis aussi, à un moment donné, si c'est un enfant qui va très bien, corriger un autre ami qui aurait plus de difficultés, bien, il va se faire corriger par son copain. C'est un petit peu ça. Ça reste un peu près de moi, ça. Ça demande énormément de respect avec les enfants, entre eux autres. Ça demande, mettons, le mini-prof qui corrige un cahier de son ami. Mais c'est sûr, il faut qu'il soit respectueux de son matériel. Je veux dire, il ne faut pas qu'il fasse des gros B partout. Je veux dire, il faut qu'il soit bien fait. Du côté matériel, déjà là, il faut qu'il y ait un certain respect, qu'il respecte le livre de l'autre enfant, la propreté dans son cahier, des choses comme ça. C'est très valorisant parce qu'ils veulent tous y aller. Je veux dire, est-ce que je peux me corriger? Puis ce que je trouve dans le mini-prof, c'est que les enfants sont très honnêtes. Jamais ils vont même mettre en erreur si c'est pas correct, ou ils sont même très sévères pour eux autres. Cette semaine, on a choisi un thème qui est le cirque. On va avoir ce thème-là pour 2 semaines. OK, avant de commencer, je vais te présenter les ateliers qu'on va avoir à faire cette semaine. OK? On a les activités obligatoires, qui est le petit écrivain. Le petit écrivain, c'est un petit texte que tu vas avoir à me produire. Puis j'ai besoin de 5 informations dessus. OK? Le thème, c'est « t'invites quelqu'un à un spectacle ». T'es propriétaire d'un cirque et tu dois inviter quelqu'un à ton spectacle. Donc, j'ai besoin de 5 informations. Habituellement, dans mon tableau de la semaine, j'ai une planification d'activités ou d'ateliers pour la semaine. Mais il y a quand même aussi à l'horaire des périodes où je travaille en groupe avec eux. Il y a un enseignement magistral et ensuite, je peux reprendre un ou deux ou trois élèves pour aller faire plus d'individuels avec ces élèves-là. Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup plus des périodes d'ateliers libres, c'est-à-dire des périodes d'ateliers libres, d'ateliers obligatoires où l'enfant avait le choix, un peu pour montrer en gros le fonctionnement de la classe. En principe, selon mon fonctionnement, à la fin de l'année, je donne sur le tableau la planification complète de la semaine et l'élève est capable de s'organiser au niveau de la semaine. Là, on est encore, bon, c'est encore presque le début de l'année. L'enfant a quand même besoin d'être un peu plus structuré. Donc, c'est pour ça que je mets des périodes plus encadrées où je travaille avec eux. Ça va. Éléphant. Dragé. Les bêtes féroces. Comment vivent les grands du cirque? Suite au travail obligatoire, il y a le coin d'enrichissement où l'enfant peut aller travailler quand soit il est très avancé ou soit son travail de la semaine est pas mal complété. Dans l'enrichissement, j'essaie de mettre des activités qui sont reliées à ce qu'on voit comme objectif, soit durant la semaine, le 2 semaines ou le mois. Ce sont des activités beaucoup plus ludiques. OK, ça va être, bon, comme exemple, en lecture, cette semaine, j'ai mis un bricolage. Notre thème de la semaine, pour les 2 semaines, c'est le cirque. J'ai mis comme bricolage, faire un clown mobile. Donc, l'enfant doit lire la démarche, se procurer le matériel, suivre la démarche qu'il y a à faire et réaliser le produit final. Bon, ça pour moi, pour les enfants, c'est vraiment très, 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 très valorisant, très, très agréable. Ça fait partie des activités de mon enrichissement. Il y a aussi, j'aide mon prof, que les enfants aiment beaucoup, c'est que je me garde des petites choses que moi, j'aurais le temps de faire, mais que je leur dis que j'ai pas le temps de faire. Et puis, je leur donne ça à faire. Et puis, ils se font un réel plaisir de me faire ça. C'est vraiment, là, ils essaient de faire ça du mieux qu'ils peuvent, juste pour me rendre faire plaisir. C'est des activités, bon, exemple, découper des mots qu'on a besoin pour faire une pige de mots à la fin de la semaine. Ou comme j'avais aussi cette semaine, on a fait un grand livre sur le cirque. Et j'ai fait exprès pour ne pas faire de page couverture. J'ai laissé la responsabilité aux enfants de faire eux-mêmes la page couverture. Bon, je trouve que c'est des activités qui plaisent aux enfants, qui vont changer de l'enseignement ou du travail traditionnel et qui vont, en tout cas, à l'enfant lui permettre de faire plaisir soit à lui ou soit à l'adulte ou soit aux autres amis de la classe. Enceinte. Phrase numéro 1. Le A.
Jean-Luc numéro 3. Je fonctionne avec menu du jour depuis quelques années. J'ajoute des ateliers pour que l'enfant se tienne, qu'il y a moins à en faire dans un atelier et quand même passer au tout. Ces menus, je les fais seulement 3 journées semaine. C'est ardu. La journée est quand même... Je suis exigeante. J'en demande beaucoup. Mais les enfants ne semblent pas objecter à ce travail. Les 2 autres journées de la semaine, c'est là où je fais l'enseignement proprement dit de soit une notion nouvelle, un travail qu'on doit faire ensemble dans des défis mathématiques ou en sciences ou dans quelque autre matière que ce soit. Atelier 1, c'est tout simplement, c'est pour venir en aide surtout à ceux qui sont les plus faibles. Tu leur donnes un moyen où ils peuvent, ils n'ont pas besoin d'écrire dans un cahier, ils n'ont pas besoin d'aller au tableau, ils ont leur propre petite ardoise sur laquelle ils pratiquent. Atelier 2, ce sont des petits mots qu'on a à apprendre du début de l'année, qui c'est du global en réalité. Le loup roule dans la boue. Bravo. Atelier 3, qui est mon coin lecture, c'est récent de l'année dernière. Normalement, ce coin lecture-là, je l'ai introduit au mois d'avril. Cette année, je l'ai introduit un mois passé pour que les enfants apprennent à retrouver des mots connus dans des livres de bibliothèque pour les inciter à la lecture. L'atelier 4, c'est afin que l'enfant reprenne un mot qu'il a déjà vu, qu'il l'associe à une image qui est assez grosse. Bon. Le tout est refait cette année. Normalement, mes dessins sont beaucoup plus petits à cause de mon demi-voyant. J'ai refait le tout, toutes mes images, tous mes mots, pour que l'enfant puisse lui aussi aller prendre avantage de cet atelier-là. L'atelier 7, c'est mon tonga, un gorille fabriqué par un parent. Qui, pour moi, c'est tout simplement une méthode particulière à apprendre. On commence avec les lettres de l'alphabet, toutes mêlées à l'intérieur, donc en vitesse, ils apprennent leurs lettres de l'alphabet. Leurs chiffres, je peux aller jusqu'à 75, ça leur fait rien, ils les connaissent déjà. Donc, j'insère dans la bouche de Tonga ce que je veux pour la journée. Dans le moment, c'était des mots pour ce matin. Les amis lisent à leur copain, ou qui, s'ils voient que je ne suis pas occupée, ils viennent me voir pour me lire leurs mots. Puis là, ils reçoivent un biscuit. Tonga les récompense. Pour les petits amis, même ceux qui sont les plus faibles dans une classe, d'aller à un atelier et faire quelque chose sans qu'ils se rendent compte, ils apprennent. Et voilà où j'en suis venu aujourd'hui avec... on est rendu à 8, puis il y en a 12 de près. Je ne peux pas les introduire 12 de... On attend la 3e étape pour introduire les autres. Et voilà. OK, on est rendu maintenant au tableau de contrôle. Vas-y, Benoît. Quel atelier t'as fait ce matin? Petit écrivain. Petit écrivain. Complété? Ouais. OK. Le tableau de contrôle, c'est le nom des élèves qui sont inscrits. En bas, il y a des petites bandes avec le nom des ateliers sur chaque petite bande. Ce qui tient la petite bande, c'est une petite punaise de couleur. Bon, exemple, une rouge pour le petit écrivain, une verte pour le RDP, peu importe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand l'élève a terminé. Exemple, petit écrivain. À côté de son nom, la punaise, elle se place en vert. S'il a commencé, il n'a pas terminé, ça veut dire qu'elle est en suspens, elle n'est pas complétée. La punaise est blanche. Donc, toutes les punaises qui sont blanches, ce sont des ateliers qui sont commencés, mais qui ne sont pas terminés. Quand la punaise change de couleur, l'atelier est terminé. Ça fait que rapidement, l'enfant peut voir, bon, qu'est-ce qui lui reste à faire. Et moi aussi, ça peut m'aider beaucoup à dire, bon, OK, t'es rendu là, tu peux aller dans l'enrichissement, t'es assez avancé, tu peux te permettre d'aller là ou encore d'aller dans des activités qu'il peut me proposer. Alors, ce matin, on va choisir, on va lister ensemble les activités qu'on va faire pendant tout ce thème-là d'ici Noël. Alors, comme le mois passé, est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Qu'est-ce qu'on fait? Oui? Bon, on avait listé toutes nos idées pour commencer sur une feuille. Puis là, après ça, on donnait nos idées, mais avant, il y avait quelqu'un qui allait les écrire au tableau. Après, il y avait une personne, tout le monde votait pour quelle idée qu'il voulait faire le plus.
Maintenant qu'on a trouvé toutes nos activités, on est quand même rendu à 12. Je pense que c'est suffisant pour notre projet. On va passer au vote, lesquels on va retenir, OK? Puis pour vous aider, je vais regrouper selon notre plan de travail qu'on fait à chaque mois. OK? Alors, dans notre plan de travail, on a d'abord, vous vous souvenez, un atelier qui s'appelle un atelier de texte de lecture, OK? Alors, on pourrait peut-être choisir les activités qu'il y a en lecture là-dedans. L'approche que j'utilise en classe présentement, c'est une approche que j'appelle gestion participative, dans le sens que j'implique mes élèves dans tout leur apprentissage. Pour aider les élèves, je les implique aussi davantage dans la démarche d'apprentissage, c'est-à-dire toutes les étapes qu'ils ont à suivre. Pour ça, j'ai un visuel en classe qui est formé de 5 pancartes. Alors, la démarche commence d'abord par une étape de formation. Alors, sur ce visuel-là, je me suis servi des symboles qu'on utilise dans le jeu de mille bornes parce que c'est très proche des enfants. Alors, le premier dessin, c'est un feu vert. Dans le sens que la première étape où les élèves sont en formation, je leur explique les objectifs de leur projet et les façons de s'y prendre, les moyens, les personnes, ressources qu'ils peuvent aller voir, tout ça. Alors ça, c'est dans la première semaine de leur scénario. Ensuite, une deuxième étape du scénario d'apprentissage, c'est la réalisation. Alors là, les élèves sont placés en atelier de travail et sur le montage visuel, on voit des automobiles qui vont prendre de l'essence. Okay? Il y a plusieurs postes d'essence, donc ils peuvent aller demander de l'aide à tous leurs confrères de classe. Ça, c'est l'atelier de travail, c'est la réalisation. Ensuite, vient après deux, des fois trois semaines de réalisation de projet, une période qu'on appelle contrôle. Ce sont des tests de contrôle que les élèves doivent subir pour voir s'ils ont bien compris. Oui, mon visuel pour ça, c'est une lumière rouge, OK? Alors, les élèves sont arrêtés, il n'y a plus d'atelier de travail, ils n'ont pas le droit de demander à personne, ce sont des tests. Quand les tests sont réalisés, on passe à la quatrième étape qui s'appelle consolidation ou tableau d'enrichissement. La consolidation, c'est pour aider ceux-là qui ont de la difficulté, pour ceux qui ont fait des examens puis qui ont eu de la difficulté à comprendre. Puis le secours, la roue de secours, c'est Regina qui va les aider. C'est tout. OK, alors tu fais des groupes de 10. Le 7 vaut 700 000. Okay, tu fais un groupe de 10. Alors ceux qui ont besoin de secours viennent me voir. On appelle ça un centre d'apprentissage. Et les élèves sont avec moi, puis je leur explique davantage les choses qu'ils n'ont pas compris. Les amis qui ont bien répondu aux questions d'examen et que qui ont bien compris, là, alors eux s'en vont sur un tableau d'enrichissement qui contient différentes activités qui va les aider à devenir meilleurs, soit en français, en mathématiques. Des fois, il y a aussi des activités de bricolage. Les élèves choisissent. Et le visuel correspond à ça, c'est un as du volant. Qui dit que maintenant, les autres, ce sont des as dans toutes les matières. Donc, ils ont droit d'aller au tableau d'enrichissement. La gestion des différences, il y a un troisième élément qui s'appelle la gestion des groupes de travail. Et cet élément est peut-être celui qui peut te permettre d'actualiser davantage l'approche communicative. Et dans la classe, à l'heure actuelle, les formes de travail les plus utilisées sont très souvent l'approche collective et le travail individuel. L'élément dont je voudrais un petit peu vous entretenir, et plus l'entraide, la coopération qui peut se vivre par le biais de dyades et d'équipes
Quand je parle de diade et d'équipe, j'ai en tête également deux portes d'entrée qu'on peut prendre, c'est-à-dire les diades spontanées, qui durent le temps que dure l'activité, et les diades permanentes. Et il en est la même chose pour les équipes spontanées et les équipes permanentes. Oui, mais regarde, ici, tu m'as tout deux. Comment Zéro. Zéro, parce que ce que je veux dans un premier temps, au niveau de l'équipe diade, à deux, tu vas commencer un texte. Je veux plusieurs phrases, bien sûr, qui commencent par « tu ». Et dans un deuxième temps, lorsque ton texte va être prêt, tu vas le lire au reste de l'équipe. Chaque équipe va avoir un thème, d'accord? Alors, tout simplement au hasard, tu vas me dire l'équipe 6. Dans un premier temps, j'ai attendu quelques semaines pour connaître un peu le groupe. Puis, j'ai posé quelques questions aux élèves qui m'ont répondu par écrit. Alors, dans un premier temps, je leur demandais des questions là, aussi simples que « quel est ton meilleur ami? » Dans quelle matière peux-tu être une personne ressource? Nomme-moi deux personnes avec qui tu préfères travailler dans la classe. Ou une autre question qui était plutôt ouverte, c'était le moment de me dire des secrets. Alors là, ça, les enfants en profitaient pour me dire « je ne veux pas travailler qu'un tel pour telle raison » ou des choses du genre. Mais je leur demande jamais la question vraiment « avec qui tu ne veux pas travailler? » Parce qu'à ce moment-là, c'est toujours le même ou les deux mêmes noms qui reviennent et puis ça devient comme un peu désobligeant parce que même si c'est un sondage qui est secret, ça finit toujours par se savoir. Donc, au niveau de les diades, c'est vraiment à partir de ce sociogramme-là que je forme mes équipes. Quand je travaille en équipe, ben ça m'aide plus à comprendre des affaires que j'ai de la difficulté à comprendre. Ben moi, j'aime ça travailler avec Marie-André parce que ça m'importe ce qu'elle m'aide. Quand je comprends pas, elle m'aide. Là, puis moi, je l'aide aussi. Ben l'entraide, c'est quand t'as un coéquipier. Puis quand il a besoin d'aide, ben tu peux aller l'aider. T'écoutes ses difficultés. Tu peux relire sa question, la question où qu'il y a de la misère, puis tu peux l'aider sans lui donner la réponse, parce que ça aiderait pas pour les tests ou les évaluations. Quand j'enseignais et que je travaillais pas avec des équipes d'entraide comme ça, les enfants arrivaient à mon bureau et je devais relire au fond la même question à 6 élèves différents. Je trouve que c'était une perte d'énergie de ma part, au fond inutile. D'autres enfants le font aussi bien que moi. Et pendant ce temps-là, moi, ça me permet de travailler en sous-groupe avec 3-4 élèves qui ont un besoin particulier. Alors, lorsque tu t'es inscrit à Clinique sur l'air, est-ce qu'il y a une partie de matière où c'est vraiment toute l'air qu'il faut retravailler? Y a-t-il une partie que tu comprends moins? Ben moi, c'est pour trouver un côté. Attention, il y a maintenant une clinique pour... Mes amis, j'ai annoncé une clinique. Vous savez c'est quoi une clinique? Oui! Pourquoi on fait des cliniques? Parce que... Pour travailler... Pour travailler quoi, Stéphane? Pour travailler des choses. Travailler des choses que tu as eu plus de difficulté à travailler seul. Oui. Ou tu aurais de la difficulté à passer à travers. La difficulté à lire tes questions? Oui, puis à croissant le travail. Tu aurais de la difficulté à comprendre ce qu'il faut faire. OK, j'ai 4 amis intéressés. On va travailler. Nos autres amis vont travailler dans leur TP. OK? Quand on va avoir fini notre clinique, tu vas pouvoir aller colorier ton carré. Ça va? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me lire la consigne? Moi. Tu es capable, Karine? Vas-y. Rare. Rire. Re. Re. Je fonctionne beaucoup par diade. C'est un fait. J'aime que les enfants s'entraident, soient en lecture. Et assez souvent aussi, le travail dans mes cahiers. Ils ont droit de travailler à deux parce que je me dis, si un enfant est laissé seul et qu'il est quand même assez faible, il sait ça. Ça le décourage. Si un enfant d'une force même moyenne est nommé pour aller avec lui, ça l'encourage. Puis à deux, ils réussissent très bien.
Tandis que seul, ben, il y en a souvent qui ferment le cahier puis disent « ça me tente plus ». J'ai souvent demandé à mes amis spontanément de s'installer et de travailler à deux. J'ai aussi des diades qui sont permanentes. Je sais très bien que je n'essaierai pas de mettre deux petits amis qui sont quand même assez faibles ensemble pour s'entraider en lecture. Alors, il y a la permanence et aujourd'hui, au courant de la journée, on a eu des diades spontanées. Les deux sont quand même, se rapprochent assez facilement, mais les deux existent aussi dans la classe. Mes conseillers, lorsqu'un ami devient un tigre, qui sont les amis les plus forts de la classe, je demande à ces amis s'ils acceptent de venir en aide aux amis lions ou panthères. Si un lion a une difficulté quelconque, il a donc le droit d'aller voir son conseiller, qui est naturellement un ami tigre. Il pose sa question. L'enfant qui est un conseiller n'a pas le droit de donner la réponse. Il a le droit d'aider son ami en l'écoutant, en parlant de ses difficultés, en essayant de lui faire lire les lettres, les syllabes, et ensuite dire, bon, tu l'as. L'enfant retourne à sa place. Et comme ça, l'enfant n'a pas besoin de venir me voir en tout temps. Il y a trois aides majeures en classe ici. La première aide, ce sont les indices qui sont sur mes murs. La deuxième, c'est le conseiller pour l'enfant. Si, là, ça ne fonctionne pas, bon, ils ont le droit de venir me voir. Maintenant, page 42, où est-elle? Là? Oui? J'ai quand même la oh oui, tu le sais. Bon, toi, tu veux de l'aide. Attends un petit peu. Pour faire les équipes de 4 ou 5 personnes, j'ai tout simplement fusionné deux équipes d'entraide. OK? Alors, les bureaux sont regroupés de façon à ce qu'on ait un peu plus d'espace dans le local, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille toujours en équipe. Bien au contraire, souvent, c'est des travaux individuels. Puis après, où on peut faire de l'entraide et aussi du travail d'équipe. À tous les jours, j'essaie de varier un peu le menu, là, de façon à ce que les enfants puissent s'entraider ou travailler des projets là, plus importants au niveau de l'équipe. Le fait d'être regroupé comme ça, au début, ça peut prêter à croire que les enfants vont plus placoter entre eux, mais dans la pratique, pas du tout. Ils savent... en tout cas, je pense que d'un côté aussi, les enfants sont tellement contents d'être regroupés comme ça par îlot qu'ils respectent très bien les consignes. Et puis avec le système de signalisation que j'utilise, ça m'évite de toujours devoir répéter « nous sommes en silence ». Au fond, j'ai juste à aller me situer physiquement près des lumières. On enlève la jaune et la verte, bien sûr, je le mets dans la pochette en bas. Et quand c'est rouge, c'est silence. Quand c'est au niveau de l'entraide, ça veut dire que les enfants ont le droit de se lever, se déplacer pour aller demander une explication à une autre personne. Et quand ils sont sur la verte, ça veut donc dire que c'est un peu normal qu'il y ait un petit peu plus de bruit parce que tout le monde chuchote en même temps. Donc, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Pendant le travail d'équipe, de façon à ne pas être obligé de toujours élever le son, la voix, lorsqu'il y a beaucoup de brouhaha dans la classe et puis que je me rends compte que toutes les équipes ont des difficultés avec un numéro, je ferme tout simplement les lumières et ça veut dire pour eux, bon, Gaétan va nous donner une explication. Peut-être que je ne suis pas rendue là, mais dans 2 minutes, je vais être rendue là et je vais en avoir besoin. Donc, les enfants respectent bien ça. Et même s'ils sont à l'ordinateur ou à l'activité cadeau, ils arrêtent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils se retournent, m'écoutent, prennent note de ce que j'ai dit et après, j'ouvre les lumières et on continue tout simplement. C'est les consignes lorsqu'on travaille en équipe. Tu vois, on a un gardien de la tâche et un gardien de la parole. On n'a pas vraiment d'animateur, mais au fond, c'est la fonction qu'on a divisée en deux. Le gardien de la parole, c'est l'enfant qui, dans l'équipe, est capable de dire « OK, OK, on baisse le ton, on parle un à la fois. Bon, c'est lui qui a commencé, il va terminer. » Alors, c'est lui un peu qui anime au niveau de la parole. Le gardien de la tâche, c'est l'élève qui, lui, est capable de réexpliquer le mandat
l'objectif du travail qu'ils ont à faire, qu'ils vont être capables de dire, bon, ben, c'est quoi les étapes qu'on va faire là, si on veut arriver à ça, et de faire respecter même l'échéancier, là, le temps. S'ils ont un sketch à présenter vendredi après-midi, ils vont être capables de dire, oui, mais il faut s'y prendre de telle façon, puis il faut se garder au moins 2 heures de pratique pour arriver à ça. Et alors, le gardien d'attache est l'enfant qui, habituellement, va plus travailler là, au niveau du mandat comme tel, du travail d'équipe. Alors que son copain qui s'occupe de la parole, lui, va plutôt s'occuper du côté discipline. L'élaboration d'un référentiel disciplinaire peut être une porte d'entrée intéressante pour une enseignante qui a la passion de l'enseignement et qui désire améliorer son enseignement en impliquant graduellement les élèves. Le référentiel disciplinaire te permet de responsabiliser davantage les élèves au niveau comportement et au niveau attitude. Et de plus, c'est une excellente façon de développer une gestion participative dans la classe. Comment un ami doit-il être dans la classe de Sandro, la classe de collège? Tu dois être gentil. Tu dois être poli, tu dois être attentif, tu dois être travaillant, tu dois être calme, tu dois être autonome, tu dois être propre. Comment Corinne va être dans la classe de Saint-Pierre? Gentille. Corinne peut être gentille et Corinne peut aussi être sévère. Le tableau d'harmonie existe depuis X années, plusieurs années. Je l'appelais tout simplement les règles de vie pour notre classe. C'est les règlements de l'école et aussi les règlements de la classe. Qui sont assez souvent, ça se rapproche, mais les enfants viennent à connaître que dans leur code de vie, il y a certains règlements qui ont rapport aux élèves de toute l'école, mais que dans la classe, il y en a aussi des règlements. Je les ai toujours affichés. Mais ce tableau d'harmonie-là est fait au tout début de l'année, première journée. Les enfants me disent à moi, qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi pour l'année? Comment ils veulent que je sois pour eux? Les mots gentils sortent. Et quelques enfants pensent automatiquement aussi au fait que le professeur peut être sévère. Et j'écris devant eux mes règles de vie de la classe et les règles de vie de l'école. Et moi, je leur demande par après comment ils doivent être dans une classe régulière, étant donné qu'il est plus maternel. Puis les enfants me disent, je vais être pro, je vais devenir gentil, je serai toujours gentil, je serai toujours poli, je serai tout. Et ils sortent les qualificatifs et je les monte devant eux. J'écris le tout devant eux, on plastifie le tout, puis on l'appelle coin d'harmonie, ce que j'appelais tout simplement les règles de vie au préalable. Quand on a des lumières vertes, on a des tirages. À la lumière jaune, on a eu des avertissements. Puis des lumières rouges, on n'a pas des tirages. Une lumière verte, il y a le mot de passe, ça va bien. Dans la journée, je peux lui donner quelques avertissements et des lumières jaunes. Et puis, si il y a eu, mettons, plus de 5 avertissements, il y a une lumière rouge. À ce moment-là, la lumière rouge, la maman ou le papa, les parents le voient le soir, ils signent. Et puis, les parents sont au courant que, rendu à ma période d'activité, c'est-à-dire de jeu, parce qu'on a toujours une période de jeu pour récompenser,
Alors, l'enfant, il réfléchit 15 minutes ou encore, il participe pas au tirage. Parce que je fais des tirages pour tous ceux que ça va très bien. À tous les lundis, on fait des tirages pour les encourager. Des trolls. Des... Avant, on a gagné des petites affaires d'Halloween pour accrocher dans notre chambre. Puis, un troll avec un petit peigne, puis c'était un étang. Pour être honnête, c'est sûr que mes pancartes, ben, ils sont fluo, ils sont bien belles, mais j'ai eu de l'aide de mon mari, qui m'a aidé, qui m'a soutenue énormément, qui a fait mes pancartes les fins de semaine et tout ça. La première année, j'avais fait mes pancartes comme tout le monde, mais ça ne marchait pas moins bien. Je veux dire, mes pancartes étaient ordinaires, ils n'étaient pas écrites par mon mari, mais ma gestion était la même. Sauf que là, c'est peut-être le look. C'est évident, quand on peut l'avoir, c'est intéressant, c'est beau, c'est, ça égaye la classe, mais je ferais, mettons, mes règles de vie l'année prochaine, mon mari les ferait pas, puis je referais mes règles de vie, puis ça irait aussi bien. Un dessert au lait, non, pas un dessert au lait, Sylvie, hein? Pas un dessert au lait. Dans chaque coin, il y a des consignes. Pour les enfants, c'est important. C'est important au début de savoir exactement ce qui se passe, parce que si tu laisses aller un peu n'importe comment, à un moment donné, ça va devenir un tourbillon, puis on va tout perdre, autant les enfants, autant que moi, le contrôle de ce qui se passe dans la classe. Les consignes sont très importantes parce que l'enfant sait exactement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire dans ce coin-là. Donc, tu vas, selon tes consignes, si c'est des avertissements, si c'est un retrait du coin, il retourne travailler à sa place. Quand je les retire d'un coin, parce qu'ils, bon, ils n'ont pas respecté les consignes, je le fais travailler à sa place, ils trouvent ça bien moins drôle. Dans ma gestion de classe, j'ai ce qu'on appelle le tableau des couleurs. Le tableau des couleurs, c'est une suite de comportements qui sont classés, par exemple, en partant d'un comportement plus facile à atteindre pour des enfants de l'âge des miens. Dans une autre classe, ça pourrait être complètement différent. On les a mis en progression. C'est basé un peu sur le principe des ceintures de judo. Il y a des comportements à atteindre et quand on les appelle des compétences. Quand les enfants sentent qu'ils sont prêts, qu'ils sont capables de réaliser ces compétences-là, ils viennent m'en parler et puis on décide ensemble oui ou non, je suis capable de passer ma couleur parce que je peux réaliser toutes les compétences qui sont là. Après, on en parle au conseil de classe avec tous les enfants réunis et puis on prend le vote, soit qu'un enfant puisse passer sa couleur ou pas. C'est, au point de vue autonomie, là, c'est très, très bien. C'est, à mon avis, une des choses qui développe le mieux l'autonomie des enfants. On ne peut jamais régresser dans ce tableau des couleurs-là. C'est-à-dire que quand on a acquis certaines compétences, on les a. Et si parfois on s'échappe, comme les adultes s'échappent, là, on va aller dans une réunion. Parfois, on va parler en même temps que celui qui présente ou quoi que ce soit. Les enfants aussi ont droit à ça. Et puis, simplement, ils perdent leur privilège pour une période d'une semaine, parce qu'il y a un privilège d'associer à chaque couleur. Martin, tu viens de passer ta couleur jaune. Tu veux-tu lire ton privilège? J'ai le privilège d'aller au coin d'écoute une fois par semaine. Okay. Il y a un privilège différent associé à chaque couleur. Par exemple, dans les premières couleurs, la couleur du jaune, là, c'est d'aller une fois semaine de plus au coin d'écoute, en plus de ce qui est proposé dans la classe. Le privilège ultime dans mon tableau des couleurs cette année, c'est de pouvoir circuler seul dans l'école. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre son rang. Quand on est prêt, on peut partir ou on peut entrer le midi ou le matin, là, sans attendre que quelqu'un nous dirige. Et bon, les privilèges, il y en a un associé à chaque couleur, un différent. On les trouve souvent avec les enfants quand ils ont des suggestions à nous faire. On les trouve avec eux autres, puis après, on les met en branle pour l'année. En fin d'année aussi, on revoit les points du tableau des couleurs avec les enfants. On leur demande, selon eux, ce qui était bien placé, ce qui était facile, ce qui était plus difficile. Puis parfois, on fait des réaménagements à la lumière de ce que les enfants nous apportent comme commentaires. Parce que finalement, c'est eux autres qui le vivent. Nous autres, on leur présente avec des yeux d'adultes, mais quand eux autres ont vécu pendant 10 mois avec, à la fin, ils sont capables de dire, par exemple, ça, c'est trop exigeant pour le début des couleurs, tu devrais le déplacer plus loin. Ou telle autre chose, tu nous demandes ça en fin d'année, c'est facile, tout le monde le fait en début d'année. Ici, dans mon cahier, notre professeur Regina nous met des petits commentaires. Je vais vous en lire un.
À Mamie, c'est vraiment agréable de voir un travail aussi appliqué. Tu es une vraie championne, bravo. Moi aussi, j'aime ça qu'elle me mette des commentaires parce que ça m'encourage à continuer à faire du beau travail. Comme c'est dispendieux de toujours avoir des collants ou des cadeaux à chaque fois, puis que ce serait peut-être pas bon aussi que l'élève ait toujours un cadeau matériel, là. Il y a des récompenses qui font des motivations aussi qu'on peut donner à l'élève, qui font autant plaisir, là. C'est du feedback positif, OK? Soit un commentaire écrit dans son cahier, tu l'encourages, tu lui lances un défi. Tu lui dis, je suis très fière, par exemple, parce que ton travail est très appliqué, mais cependant, tu peux lui lancer un défi, lui dire, la prochaine fois, j'aimerais que tu fasses un peu moins d'erreurs. Alors, l'élève, il sent qu'il a fait quelque chose de bien. C'est beau. OK, tu continues. Pas besoin. OK, continue, mon gars. C'est beau. Mon premier renforcement, c'est le renforcement social. Bravo, t'es bon. Le contact physique, c'est vraiment important. Le fait de le faire sentir bon. C'est sûr que j'ai remarqué quand les enfants arrivaient au début de l'année, ils s'attendaient à s'asseoir en rangée avec le cahier d'exercice de telle page à telle page en français, en mathématiques. Ils rentrent dans la classe, puis ils regardent et disent « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et puis bon, moi, je commence à travailler avec eux autres. À un moment donné, ils me disent « Ben, on travaille pas ici, on joue. » Sauf que mon rôle à moi, c'est de leur faire comprendre qu'en jouant, tu acquiers quand même des apprentissages. C'est une drôle d'idée de se baigner tout habillé. OK. Allez, tu me dis qu'est-ce qui est écrit? Moi, mon prochain défi. Qu'est-ce que ça va être ton prochain défi en académique? Après-midi, ça pourrait être quoi? Au niveau de ton travail? Travailler bien. Au début de l'année, c'est important que l'enfant prenne conscience de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il apprend, de ce qu'il a trouvé facile, de ce qu'il a trouvé difficile. Les enfants, je pense qu'ils identifient difficilement ces choses-là. Donc, moi, ce que je fais, je donne deux thèmes, académique ou comportement, et l'enfant pige une carte. Si c'est marqué « Aujourd'hui, j'ai appris », en académique, il me sort une toute petite chose qu'il a appris en académique durant la journée. Comportement, la même chose. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y a, quoi, peut-être une quinzaine de questions qui font toujours appel à comment je me sens. Comment je me sens, moi. C'est toujours moi, l'enfant, moi, face à la situation ou face au travail qui était demandé. Les enfants aiment ça, ben, ils aiment ça beaucoup. Ouais. Une gestion de classe comme celle-là, je pense, nous permet de suivre les enfants plus individuellement. Et on peut s'assurer que les objectifs sont vus dans le sens qu'à chaque fois qu'on circule ou qu'un enfant va venir présenter un travail, on a un petit peu plus de temps à lui consacrer pour le regarder pendant qu'il est là. Lui demander « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu vas retenir de ça? » Et je pense que c'est une des façons merveilleuses de pouvoir vérifier chez les enfants s'ils ont fait des acquis. Parce que parfois, on va leur demander de nous donner des réponses sur papier. Ils peuvent effectivement avoir la bonne réponse, sauf qu'il n'y a rien qui m'assure qu'au niveau de son cheminement intellectuel, il a compris la démarche qu'il a faite. Alors que dans un fonctionnement comme ici, où j'ai plus de temps à accorder individuellement aux enfants, je suis capable d'aller vérifier s'ils ont bien compris qu'est-ce qu'il peut m'expliquer de ce qu'il vient d'apprendre. La gestion des différences est un domaine qui vaut vraiment la peine d'explorer et à travers lequel on doit cheminer graduellement. Il n'est pas nécessaire de tout révolutionner, il faut plutôt vivre une évolution. Ici, je parle bien sûr de la politique des petits pas. Il faut plutôt que tu partes de tes forces et ajouter graduellement des défis. Après 15 ans, 20 ans de pratique, quelles sont mes forces et quels sont les défis que je pourrais relever afin de gérer les différences de façon plus efficace?
Au tout début, c'est bien certain que j'utilise pour moi, comme pour les enfants, la politique des petits pas. Alors, au début, c'était uniquement le menu du jour que j'installais au tableau, le coin d'enrichissement pour les élèves qui allaient un peu plus rapidement. Une autre année, j'ai commencé avec le coin d'harmonie. Maintenant, je fais ce que j'ai appris. Le plan de travail, ça fait quand même 4 ans que j'utilise cette formule. Et celle-là, je pense pas la laisser... avant quelques années encore, là, j'aime beaucoup. Peut-être que dans quelques années, je vais essayer autre chose, mais pour l'instant, le plan de travail me satisfait. C'est ma 6e année que j'enseigne en 6e année, et habituellement, j'ai des classes jumelées de 5 et 6. À chaque année, bien sûr, j'ajoute ou je retranche des projets, j'essaie de nouvelles choses. Je pense que d'être toujours en démarche personnelle, puis d'essayer des nouvelles... situation ou de nouveaux projets, c'est ce qui met un peu de vivant dans la classe puis qui rend notre groupe plus dynamique. J'ai commencé par un petit tableau de programmation. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas un tableau de programmation dans ma classe parce que, tout en essayant des choses, j'en suis arrivée, moi, à faire un plan de travail, ce qui me convient davantage, alors que le tableau de programmation va convenir à d'autres personnes. Ce que je trouve important là-dedans, c'est que les personnes choisissent une pédagogie dans laquelle ils se sentent bien. Il n'y a pas de truc mieux qu'un autre. C'est d'arriver à se sentir bien, à posséder bien cet outil-là, et après ça, à le vivre avec nos jeunes. J'ai commencé à faire de la gestion de classe un peu de façon inattendue parce que les rapports que j'avais avec les enfants ne me satisfaisaient plus. J'avais l'impression que souvent, c'était un rapport de force. Il y avait seulement moi qui disais « Est-ce que t'as fini? Va ranger tes bottes. » J'avais comme plus de plaisir. Et puis, je leur ai offert petit à petit, une chose à la fois. On a commencé, au début, j'ai commencé par leur offrir de choisir pour une après-midi ce qu'ils avaient envie de faire, pourvu qu'ils respectaient le fait qu'en fin d'après-midi, ce soit terminé. Petit à petit, j'ai ajouté des choses. Bon, j'ai lu beaucoup, je me suis intéressée à ça, j'ai ajouté des choses. Puis je trouve que ça répond plus aux besoins des enfants, parce que je veux que leur classe soit un milieu de vie, plus qu'une classe où c'est très encadré. Ils doivent quand même apprendre là, à fonctionner dans un certain encadrement. Déjà, l'école, c'est un encadrement. Je veux que leur classe soit plus un milieu de vie. Au début, j'ai commencé avec un petit boîtier de Veritech ici, une petite boîte de mots là. Et puis, c'est sûr qu'au fur et à mesure, bon, je bâtis du matériel. Je passe pas non plus toutes mes fins de semaine. C'est sûr qu'au début, bon, tu veux, t'en fais un peu plus. T'es un peu plus productif au niveau des cartons, au niveau des boîtes, au niveau des ateliers, tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le temps. Ça sert à rien de partir puis tout vouloir tout faire la même fin de semaine puis dire ben là c'est vendredi puis lundi matin je commence une gestion de classe puis qu'il faut que tout soit là, c'est utopique, c'est irréaliste là. Faut vraiment que je dis tu y vas tranquillement, tu bâtis ton matériel, même tu peux te faire aider par les élèves. Tu peux pas commencer tout la première année. Moi j'ai commencé très très lentement, j'ai commencé peut-être juste avec un tableau d'harmonie. Puis, c'est sûr que nous, ici, on a une équipe de 4. Alors, on s'encourageait mutuellement. Une faisait le tableau d'harmonie, l'autre faisait une activité. Bon, on allait la chercher, on l'améliorait, on l'adaptait. Puis, c'est surtout, là, ce qui m'a fait avancer, c'est peut-être parce qu'on était une équipe de 4. Si quelqu'un commence, puis veut bien se lancer dans une gestion de classe comme celle-ci, elle peut le faire. Mais il va falloir du temps pour qu'elle réussisse à avancer dedans. Il faut être à l'aise quand même là-dedans. C'est pas tous les professeurs, ils me voient faire. Quelques professeurs viennent me visiter puis ils disent « Comment peux-tu vivre dans une atmosphère comme ça? » Ce n'est plus la classe comme on l'a vécu quand on allait à l'école. C'est tout à fait l'opposé de quand on allait à l'école. Je leur dis « Bien, on s'y habitue. Si tu veux être dans l'enseignement, puis moi, le progrès, je le vois. » Plus vite. Donc, pour moi, c'est « je suis bien là-dedans ». Une des plus belles choses qui m'a été dite depuis que je fais de la gestion de classe, c'est d'entendre des parents me dire « tu sais, cet été, mon enfant s'est tellement bien organisé après avoir fait une année dans ta classe, il n'y a jamais une journée de l'été où j'ai dû lui dire quoi faire. » Il sortait un petit papier, il listait des activités, il allait choisir là-dedans, il jouait à l'école finalement, mais il a appris à gérer son temps. Je pense que si on est capable d'apprendre aux enfants à s'organiser dans le temps, puis aussi d'y aller selon leur goût, je pense qu'on a acquis beaucoup, beaucoup de choses avec eux autres, là.
Parce que c'est la base, finalement. Hein? Si tu n'as pas une belle image de toi, si tu ne sais pas t'organiser, si tu es toujours dépendant de ton environnement, tu vas aller moins vite, tu vas progresser moins vite, je pense, que si tu es capable d'avoir une certaine souplesse et une certaine autonomie.